ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ô vous les musulmans, craignez Allah tabaraka wa ta'ala comme il mérite d'être craint et soyez reconnaissants envers lui pour ce bienfait qu'il vous a donné, ce bienfait de ce jour de fête, le jour de la fête de la rupture du jeûne, par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a plié le mois de Ramadan et les mois pour le voyage au pèlerinage à la maison sacrée se sont ouverts. Ce jour de fête, c'est un des trois jours de fête en islam et il n'y en a pas d'autre. Le deuxième est le jour de l'Adha, le jour du sacrifice. Et le troisième est une fête hebdomadaire, c'est le jour du vendredi. En dehors de ces trois jours de fête, il n'y a aucune autre fête en islam. En ce jour de fête, les musulmans sortent pour faire la prière de l'Eid, valorisant Allah tabaraka wa ta'ala et en agrandissant son nom avec leur cœur, avec leur langue, et ils le remercient et ils le louent pour ce bienfait qu'il leur a donné, qui est le bienfait du jeûne et d'avoir prié la nuit et toutes les autres obéissances auxquelles Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés et nous a permis de pratiquer. En sortant ce jour-là, les musulmans espèrent la récompense divine, les grandes récompenses et beaucoup de bonnes actions et les dons de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et ils accomplissent cette prière par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala et par dévotion. Les musulmans attendent la récompense et les dons de leur Seigneur et ils ont une bonne pensée de lui du fait qu'Allah leur a permis de faire ses actions, alors ils espèrent qu'Allah accepte d'eux ses œuvres. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, n'est-ce pas que la récompense de la bienfaisance est la bienfaisance ? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Mes frères, mes sœurs en islam, Allahu tabaraka wa ta'ala nous a donné ce bienfait qui est le bienfait de l'islam. Il nous a guidés à cette religion alors qu'il en a égaré beaucoup. Et c'est la seule religion agréée auprès d'Allah. Allahu tabaraka wa ta'ala, par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé toutes les autres législations. Et la seule religion et législation acceptée auprès d'Allah, c'est la religion de l'islam. Et il a complété, subhanahu wa ta'ala, cette religion, que ce soit dans les points du dogme, ou de la méthodologie, ou de la croyance, ou des adorations, ou du comportement, dans tous ces aspects.
Et Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée aucune autre religion jusqu'au jour du jugement dernier à part la religion de l'islam. Allah ta'ala dit dans le sens des versets, la seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Et il dit, celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Cette religion qu'Allah ta'ala a agréée pour l'humanité, il a promis pour ceux qui s'y accrochent, suivent ses préceptes, l'honneur, l'élévation et la réussite et la victoire. Et ceci a été appliqué par ceux qui nous ont précédés de cette communauté, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et leurs suiveurs, dans la bienfaisance ou avec perfection. Quand ils se sont accrochés aux enseignements de l'islam et qu'ils les ont mis en pratique, Allah tabaraka wa ta'ala en a fait des exemples dans la croyance, dans la civilisation, dans le comportement, dans tous les domaines religieux ou mondains. Mais cette promesse, cette réussite, cette victoire, cette élévation, cet honneur auquel sont arrivés nos pieux prédécesseurs, il n'est pas spécifique à eux, mais il est spécifique à tous ceux qui s'accrochent aux enseignements de l'islam. Il est promis à tous ceux qui s'attachent à cette religion et qu'ils la mettent en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat An-Nur, Allah a promis à ceux qui ont la foi et qui font des bonnes actions parmi vous, qu'il va leur donner la lieutenance sur cette terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, et qu'il va leur établir leur religion qu'il a agréée pour eux, qu'il va changer leur état de la peur à la sécurité. Il m'adore, il me donne aucun associé. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets aussi, certes, Allah Tabaraka wa Ta'ala donne assistance à ceux qui assistent sa religion. Certes, Allah est fort et puissant. Ceux qui, quand on les a établis sur terre, ils accomplissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le blâmable. Et c'est à Allah qu'appartient la finalité des choses. Comme nous l'avons dit précédemment, ces promesses-là ont été vues, réalisées avec les pieux prédécesseurs quand ils se sont attachés à l'islam. Et si les musulmans retournent à ce à quoi étaient leurs pieux prédécesseurs dans la croyance, dans la pratique, dans l'attachement à l'islam, alors on verra de nos yeux aussi cet honneur, cette élévation, cette aide, cette assistance de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et cet établissement comme il a été auparavant. Mais ceci ne se fait pas qu'avec des paroles, car nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Ô vous les musulmans, il faut que vous reveniez à votre religion. Il faut s'accrocher à votre religion pour que vous gagniez l'honneur et l'élévation et l'établissement dans cette vie et la récompense éternelle dans l'au-delà. Le Satan ainsi que ses alliés ont fait en sorte d'introduire chez les musulmans des distractions, des jeux, des voies qui leur font oublier le chemin pour lequel Allah les a créés. Ils les ont occupés au point où ils sont devenus fainéants et qu'ils ne sont plus volontaires ni énergiques, que ce soit dans leurs affaires religieuses ou mondaines. Jusqu'au point où Shaytan et ses alliés ont présenté l'islam comme des traditions des anciens, une culture. C'est la culture de notre pays. Ça vient en secondaire ou à la fin. Et beaucoup se sont fait tromper par cet appel en croyant que l'islam n'a pas la place dans ce monde moderne. Et ils sont devenus à cause de cela des successeurs, mais des mauvais successeurs aux pieux prédécesseurs. Comme Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux, dans le sens des versets, il leur a succédé après eux une mauvaise succession qui ont négligé la salat, qui ont suivi leur passion, et ils vont trouver à cause de cela la perdition. Accrochez-vous à votre religion, revenez-y et soyez fermes sur ce chemin, car c'est le chemin de la réussite et du succès. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets, dit, c'est du bienfait d'Allah et de sa miséricorde qu'il faut se réjouir. Cela est beaucoup mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour lequel
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner, car c'est un jour de joie, c'est un jour où il nous a permis tout ce qui était licite. Alors, ce jour de fête, il faut être reconnaissant vers Allah tabaraka wa ta'ala des bienfaits qu'il nous a donnés par l'obéissance, par l'attachement à l'islam et non pas par le délaissement et l'éloignement. Pour finir, chers musulmans, mes frères, mes sœurs en islam, nous avons vu pendant ce mois de Ramadan comment les gens sont revenus à Allah, se sont repentis et qu'ils étaient motivés pour faire les bonnes actions entre ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, ceux qui ont fait moyennement des efforts et ceux qui en ont peu fait. Est-ce que maintenant que Ramadan est passé, nous allons plier le livre de nos bonnes actions et ouvrir le livre des mauvaises actions, annuler tout le bien qu'on a pu faire? Sachez que le Seigneur qu'on a adoré pendant Ramadan, c'est le Seigneur de tous les mois de l'année et de toute l'année qu'il faut adorer jusqu'à ce que nous vienne la mort. Car c'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Ô vous les musulmans, vous témoignez aujourd'hui notre rassemblement avec des différences entre nous. Le fort, le faible, le jeune, la personne âgée, le riche, le pauvre, celui qui est en bonne santé, celui qui est en mauvaise santé. Puis après, chacun va se lever et retourner chez soi. Alors, par ce rassemblement-là, rappelez-vous un rassemblement plus grand, dans un moment plus dangereux, qui est le rassemblement le jour du jugement dernier, où tout le monde va être réuni, mais les différences entre les gens seront encore plus grandes. Et chacun, après cela, retournera à sa demeure. Une partie au paradis et une partie en enfer. Alors choisissons dans cette vie, on veut faire partie de quel groupe? Ceux qui vont, après le jour du rassemblement, le jour du jugement dernier, rentrer chez eux au paradis, ou ceux qui vont entrer dans leur demeure de l'enfer. Ce jour-là, on se souhaite bonne fête entre musulmans, et on est heureux de cette fête. On n'est pas heureux parce qu'on s'est débarrassé d'un mois d'adoration, mais on est heureux de s'être débarrassé, Inch'Allah, de nos péchés. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction à Allah et en attendant la récompense d'Allah seul, Allah lui pardonne ses péchés passés. Donc c'est ça qui nous rend heureux, c'est les bienfaits d'Allah. Non pas on est heureux, alhamdulillah, le jeûne il est fini, mais il faut continuer et rester constant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan puis qu'il le complète par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc une fois que le jour du Eid est passé, on peut jeûner quand on veut pendant le mois de Shawwal. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Et la personne qui le jeûne sera comptée comme s'il avait jeûné toute l'année. On peut les jeûner d'affilée, on peut les jeûner séparés, on peut les jeûner les 6 derniers jours de Shawwal, dès après l'Eid, comme on veut. Si on l'a fait une année, on n'est pas dans l'obligation de le faire l'année d'après, bien qu'il soit recommandé d'être constant dans les bonnes actions et de ne pas les délaisser. Si quelqu'un a des jours de jeûne à rattraper, qu'il se sent à la force de pouvoir les rattraper plus tard, il peut jeûner les 6 jours de Shawwal, puis rattraper les jours de Ramadan plus tard, ceci est permis aussi. Puis, il y a le jour du jeûne du lundi et du jeudi, il y a les jeûnes de 3 jours par mois, et tous ces jours de jeûne sont des jours à grande récompense, dans lesquels il y a un grand bienfait. Donc n'attendons pas juste le mois de Ramadan pour jeûner. Car le jour du jugement dernier, la première chose qui sera demandée parmi les actes, c'est la salat. S'il venait à manquer quelque chose, Allah Ta'ala va dire: regardez dans les œuvres, dans les prières surérogatoires de mon serviteur pour combler le manquement qu'il y a dans l'obligation. Puis ils vont faire pareil pour toutes les œuvres, pour le jeûne, pour la zakat, pour toute adoration. Qui d'entre nous a la garantie que toutes ces obligations sont faites parfaitement et acceptées? Personne. Donc il faut faire beaucoup d'œuvres surérogatoires en plus des obligations pour pouvoir combler le manquement qu'il y a pu avoir dans les obligations. On nous Allah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum wa narju an Allah tabaraka wa ta'ala yaj'al hadha al-yawm yawm 'eid sa'id lil ummah al-islamiyyah. Taqabbalallahu minna wa minkum 'eidukum 'eidan mubarakan sa'idan inshallah. Barakallahu fiik. Wa qul rabbi zidni 'ilma.